comme énoncé en introduction, aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale parce que voilà, c'est la rentrée scolaire. Peut-être pas forcément d'engouement à faire des photos parce que tout le monde est retourné au boulot. Nous avons repris notre train-train quotidien, donc peut-être pas pour tout le monde le baume au cœur à retourner faire de la photo et tout ce qui s'ensuit. Alors aujourd'hui, petite vidéo pépère pour reprendre cette nouvelle saison. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous saouler avec tout le côté administratif de la chaîne. Je laisse ça pour les vidéos à venir et les vidéos passées. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons nous rendre, nous nous rendons même, sur un affût au Martin Pêcheur. Donc, vu que j'ai un petit peu de trajet à pied pour me rendre sur cet affût, nous allons faire un petit point sur la chaîne et ces 18 mois bientôt passés ensemble. Et je suis super content, super satisfait des résultats de la chaîne. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un tel engouement de votre part. J'en suis assez fier parce que quelque part je me dis que mon travail paye et porte ses fruits. Et que malgré mes deux copains qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre des petits commentaires ou des dislikes sur les vidéos. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, je prête même plus attention. Je suis quand même content des résultats de la chaîne et du nombre d'abonnés qui ont souscrit à la chaîne. Et d'ailleurs, je vous en remercie tous. Je remercie aussi au passage tous les souscripteurs. J'y viendrai dans quelques instants. Alors, je m'excuse pour les différences de luminosité, les différences de contraste. Mais là, j'oscille entre ombre et lumière, donc c'est assez déplaisant. Vous avez pu remarquer que le format de la vidéo a changé. Oui, je suis revenu au début de la chaîne YouTube, lorsque je filmais avec mon iPhone, et ben là c'est de nouveau revenu. Je refilme de nouveau avec l'iPhone puisque je me suis séparé de mon A7S III. Alors je sais que ce format vidéo peut convenir à certains d'entre vous, mais peut-être que vous n'apprécierez pas. Je vous invite à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez de ce format vidéo. Et sachez que pour remplacer la 7S III, j'envisage d'investir peut-être dans une GoPro. Je suis en pleine réflexion. Donc après, si vous avez des conseils, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je vous en remercierai d'avance. Donc à l'heure où nous nous parlons, je suis à 1625 abonnés. Un grand merci à vous. Nous sommes 5 souscripteurs, alors plus ou moins parce que ça va, ça vient, les gens souscrivent, les gens arrêtent. Vu la conjoncture actuelle en ce moment, je comprends tout à fait que les gens gardent leur argent pour leurs besoins personnels. Mais pour ceux qui osent souscrire à la chaîne, je les en remercie, d'autant plus parce que j'ai conscience que le geste financier est important pour eux. Quant au devenir de la chaîne, eh bien écoutez, j'ai plusieurs vidéos sous le coude à venir. Je peux vous en citer déjà quelques-unes. Pour ceux qui le savent, j'ai acheté un nouveau sac photo il y a quelques mois maintenant. Donc je vous ferai un retour d'expérience de ce nouveau sac photo. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et ce qu'il vaut. Ensuite, j'ai fait l'acquisition du 70-200 GM2. Donc là c'est pareil, vous aurez droit à un retour d'expérience de ce 70-200 sur le terrain, bien évidemment, il en va de soi. Et puis on m'a demandé quelques renseignements techniques par rapport à la colorimétrie, par rapport aux espaces colorimétriques. Donc là évidemment je ferai des vidéos dédiées au sujet sur la chaîne. Donc je pense qu'il y aura peut-être 2 voire 3 vidéos dédié à la colorimétrie et aux espaces colorimétriques. Mais pour ça, il faut aussi que je me documente et que je m'assure que mes connaissances soient justes et cohérentes afin de ne pas vous induire d'erreurs. Sachez que les vidéos, comme tout youtubeur, ça me demande énormément de temps de préparation.
énormément de temps de tournage, de montage, etc. Donc c'est vrai que youtubeur, pour ceux qui se disent ouais c'est facile, c'est tranquille, chose que personnellement je pensais il y a quelques mois ou quelques années en arrière, et bien bizarrement au jour d'aujourd'hui j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et ma façon de penser par rapport à ça. C'est pour les gros youtubeurs, c'est vraiment un métier à part entière qui demande énormément de temps. Pour les membres souscripteurs, pour ceux qui se demandent ce que devient leur don et leur donation, sachez que j'ai investi dans un nouveau système de captation sonore. Ce sera le Sony XLR K3M. Donc je pense que nous aurons un meilleur retour sonore par rapport aux différentes vidéos que je pourrais faire, par rapport au rendu ambiant dans lequel j'évolue et dans lequel je fais mes affûts. Je pense que pour vous, ce sera tout bénéfice. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis quand même pas mal soufflé parce que je me suis chargé comme un mulet. J'ai emmené la tente d'affût, j'ai emmené le filet d'affût, j'ai emmené le matériel pour pouvoir filmer et photographier le martin pêcheur au cas où dans le sac à dos qui est derrière moi. Donc comme je vous ai dit, je vous laisse la surprise du sac à dos, hein, je ne vous le montrerai pas. Je ferai une vidéo comme indiqué sur ma vidéo de présentation entre l'automne et le printemps, qui sont plus propices aux tests matériels et au retour d'expérience. Sinon, pour celles et ceux qui se poseraient la question de l'orientation de la chaîne YouTube, eh bien sachez qu'il n'y a aucun changement d'orientation de la chaîne. Nous sommes toujours dédiés à la photographie animalière et à la vidéo animalière. Alors autant la photographie animalière, je maîtrise largement mon sujet, je pense, enfin j'ose espérer, autant la vidéo, j'apprends. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, la vidéo, donc j'essaye de développer cet axe de la chaîne parce que je me suis rendu compte que j'avais quelques abonnés, dont certains membres souscripteurs, qui eux aussi pratiquaient la vidéo, et je me dis que ça ne peut que leur être utile, mon retour d'expérience et ma transmission d'expérience. Alors, nous allons arriver sur la zone d'affût. Donc je vais couper là pour le moment la vidéo, le temps de m'approcher de la zone du martin pêcheur. Et dès que j'arrive sur zone, je vous reprends. Le temps de, on va dire, de montage de la tente Oki V3 de chez Tragopan m'a pris 5 minutes tranquillement. Et je me suis installé là. Alors je n'ai pas mis le surtout exprès, hein, parce que là, il fait encore un petit peu chaud, donc si je peux profiter d'une aération, je ne veux pas m'en priver. Et nous allons attendre Monsieur Martin. Donc je vais me poser à l'intérieur de la tente, je vais monter le matériel à l'intérieur de la tente et puis je vous reprends après. Alors là, voilà le setup. Et au moment où je me mets à tourner cette partie de vidéo, vous avez pu entendre le pic noir signaler sa présence. Donc là, vous voyez, c'est mon setup en cas d'affût avec la tente. J'ai un appareil photo qui se met en vidéo et j'en ai un second en mode photographique pour pouvoir prendre les photos en question. Et là, impeccable, au moment où j'étais en train de vous parler, Monsieur Martin Pêcheur a décidé de nous honorer de sa présence. Et en plus, il pêche.
Nous allons voir s'il revient sur sa branche. Non. Il est parti sur notre branche, donc nous allons aller à sa recherche. Nous nous retrouvons après ces 3 heures d'affût. Je vous ai fait grâce des 3 heures d'affût parce que ça aurait été un petit peu long sur la vidéo. N'empêche que je vous ai mis quelques petites photos, quelques petites séances vidéo que j'ai filmées. Et ce qui prouve que lorsque l'on connaît son terrain, lorsque l'on connaît les habitudes de ce que l'on va observer, on arrive à coup sûr à pouvoir revenir avec quelques photos. Donc vous voyez, la conclusion que l'on peut tirer de ceci, c'est que de cette sortie, c'est que j'en connais un petit peu plus sur mon sujet. J'ai un doute sur l'endroit où Johnny peut se trouver de mon couple de Martin Pêcheur. Mais j'ai quand même une belle certitude de sa présence à ce niveau-là. Et entre mon point d'affût d'aujourd'hui et mon point d'affût de la fois passée, il n'y a pas de préférence. Le Martin Pêcheur va aussi bien sur l'un que sur l'autre. Il passe autant de temps sur l'un que sur l'autre. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de regret à avoir. Par contre, une chose est sûre, c'est que pour se sécher, il suit bien le soleil. Lorsqu'il a des branches qui passent à l'ombre, il les évite pour se sécher et il reste bien au soleil, à l'abri du vent par contre, pour pouvoir se sécher tranquillement. Voilà. Après, encore une fois, un nouveau format de vidéo. J'espère que elle vous conviendra. Un petit peu côté backstage, on va dire. Même si c'est un petit peu l'idée nouvelle que j'ai dans les vidéos sur le terrain. Vous montrer un petit peu le côté backstage, le côté installation, le côté prise de vue. J'espère que, hormis les quelques défauts de stabilisation dus à la prise de vue par l'iPhone, c'est entre autres pour cela que j'hésite à m'équiper d'une GoPro pour faire de nouveaux formats de vidéos comme ça. Elle serait un peu plus stabilisée, qui éviterait peut-être de donner le mal de mer.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Donnez-moi des opinions, donnez-moi vos idées. J'y répondrai comme d'habitude du mieux que je peux. Et je prendrai toutes les idées qui seront bonnes à prendre. Ceci dit, je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir, faites des photos.